Les disciples demandèrent à Jésus, « À quoi le royaume des cieux est comparable ?» Il leur répondit, « Il est comparable à une graine de moutarde. Celle-ci est la plus petite parmi toutes les semences, mais lorsqu'elle tombe sur une terre travaillée, elle produit une grande plante et devient un abri pour les oiseaux du ciel. » Mariam demanda à Jésus, « À quoi ses disciples ressemblent ?» Il lui répondit, « Ils ressemblent à des petits enfants installés dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand viendront les propriétaires, ces derniers leur diront « Rendez-nous-le !» Alors les enfants se mettront à nu devant les propriétaires et leur laisseront leur champ. Si le maître de maison sait que le voleur va venir, il veillera avant qu'il n'arrive et il ne le laissera pas percer un trou dans la maison de son royaume pour en emporter les biens. Vous aussi, soyez vigilants par rapport au monde. Rassemblez toutes vos forces, de peur que les pillards ne trouvent un chemin pour arriver jusqu'à vous. Car le profit que vous espérez du royaume, ils le raviront. Qu'il y ait à l'intérieur de vous-même un homme averti. Le fruit étant mûr, cet homme vient sans attendre, la faucille à la main, et il récolte. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voyant des petits qui têtaient, Jésus dit à ses disciples, « Ces petits sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. » Ils lui demandèrent, « Alors, est-ce en étant petits que nous entrerons dans le royaume ?» Jésus leur répondit, « Si de deux vous faites un, si vous rendez le dedans comme le dehors comme le dedans, si vous faites le haut comme le bas, et de l'homme et de la femme un seul être, si bien que l'homme ne soit plus homme et que la femme ne soit plus femme, si vous remplacez vos yeux par d'autres, vos mains par d'autres, vos pieds par d'autres, et une image par une autre, alors vous entrerez dans le royaume. » Jésus a dit, « Je vous choisirai un sur mille et deux sur dix mille. Ceux-ci ne formeront qu'un seul être. » Ses disciples lui demandèrent, « Renseigne-nous sur le lieu où tu te trouves, puisqu'il nous est nécessaire de le chercher. » Il leur répondit, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a de la lumière à l'intérieur d'un être lumineux, et celui-ci illumine forcément le monde entier. Si une personne n'émet pas de lumière, alors elle n'est que ténèbres. » Jésus a dit, « Aime ton frère comme ton âme, veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil. » Jésus a dit, « Tu remarques la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Lorsque tu auras rejeté la poutre de ton œil, alors tu y verras plus clair pour rejeter celle de l'œil de ton frère. » Jésus a dit, « Si vous ne jeûnez pas du monde, alors vous ne trouverez pas le royaume. Si vous n'observez pas le Shabbat comme il devrait l'être, vous ne verrez pas le Père. » Jésus a dit, « Je me suis incarné parmi les hommes et je me suis manifesté à eux. Hélas, je les ai tous trouvés ivres. Je n'ai trouvé personne parmi eux qui eut soif, et mon âme s'est attristée pour eux, car ils sont aveugles dans leur cœur, et ils ne voient pas. Car vides ils sont venus au monde, vides aussi ils s'évertuent à sortir du monde. Maintenant ils sont ivres, mais quand ils auront évacué leur vin, alors ils se repentiront. » Jésus a dit, « Si la chair résulte de l'esprit, c'est une merveille. Mais si c'est l'esprit qui est devenu grâce au corps, c'est la merveille des merveilles. Mais l'on peut s'étonner que cette grande richesse habite dans cette pauvreté. » Jésus a dit, « Où il y a trois personnes, elles ne sont pas sans Dieu. Où il y en a une seule, moi je suis également avec elle. » Jésus a dit, « Un prophète n'est pas reçu dans son village. » Et de même, un thérapeute ne guérit pas ceux qui le connaissent. Jésus a dit, « Une forteresse bâtie sur une haute montagne ne peut tomber aux mains de l'ennemi et ne peut non plus être cachée au regard. » Jésus a dit, « Ce que tu entendras dans l'oreille, proclame-le sur tous les toits. Personne en effet n'allume une lampe et ne la met sous un boisseau. On ne la met pas non plus en un lieu caché, mais sur le lampadaire, afin que quiconque entrant ou sortant voit sa lumière. » Jésus a dit, « Si un aveugle guide un aveugle,
alors ils tomberont à coup sûr tous deux dans une fosse. Jésus a dit, « Il est impossible à quelqu'un d'entrer dans la maison d'un homme fort et de la prendre par la violence, à moins qu'il ne lui lie les mains. Mais, si c'est le cas, il mettra sa maison sans dessus-dessous. » Jésus a dit, « Ne vous souciez pas du matin au soir et du soir au matin de quoi vous vêtirez. » Ses disciples lui demandèrent, « Quel jour te manifesteras-tu à nous et quand te verrons-nous » Jésus leur répondit, « Lorsque vous vous dépouillerez de votre honte, que vous enlèverez vos vêtements, que vous les mettrez sous vos pieds comme les petits-enfants et que vous les piétinerez, alors vous verrez le Fils de celui qui donne la vie et vous ne craindrez plus. » Jésus a dit, « Bien des fois, vous avez désiré entendre ces paroles que je vous dis là, sans avoir nul autre de qui les entendre. Viendront des jours où vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. »